Donc on va voir Ben de Michael Jackson. L'introduction, elle est en bas. Début. 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 Le Do avec une basse demi. Ça reprend début. Alors les accords, l'introduction, ça fait Fa, Fa 4. Ou alors un Si bémol, comme vous voulez. Quatre fois. Donc, et c'est le morceau, c'est du deux temps. Alors le début, c'est Fa. Un Do7 mais avec la basse demi. Deux fois. La deuxième ligne, Fa. Mi mineur. 7, 5 moins. Le La7. Premier renversement. Après, Des bémol. Et Do dièse diminué. On le fait là, c'est pour avoir la basse. Et vous pouvez très bien le faire. On a le Do dièse ici. Hein. Donc, Do dièse diminué. Do. Fa. Si bémol. Do. C'est plus simple de le passer là.
plutôt que fa, si bémol, do. Vous voyez quoi. Alors Ben de Michael Jackson, on verra sa casse d'Hélène Ségara Morane, donc en sol. Sinon la version originale de Morane c'est en la bémol, c'est juste une casse plus haut, hein, le tout. Un pour l'autre de Morane, trop forte. Wonderful World de Louis Armstrong. Après il y a quatre chansons de Shania Twain. Un live after love. Merci patron qu'on a vu hier. C'est surtout pour les paroles que j'ai fait. Et ces accords là, vous pouvez les zapper hein, parce que c'est pas évident à passer, surtout quand on chante. Faire donc mi mineur, sol, ré, mi mineur. Voilà. Donc pour faire vos grilles vous-même en 6 lignes ou en 9 lignes. Alors là j'irai l'écriture en français ou en américain. Bon moi j'écris en français, mais au départ je le note en américain, c'est plus vite fait quoi. Ensuite j'ai rajouté quelques trucs que j'aime bien, level 42, par exemple so police, non c'est Lesson in Love. Enfin, et Darwin, Soul Politz, Jacob Collier, il y en a plein, Little Book par exemple, qui est pas mal. Ensuite, ce qui est intéressant, les accords, c'est de comprendre comment ça marche. Il y a trois vidéos. Alors, les accords de Mi, de La, Do, Sol. Ré et les formes d'accords. Alors les formes d'accords, le Do, forme de Do, si vous prenez comme ça, Do, forme de Do. Au-dessus c'est le Do, forme de La. Après le Do, forme de Sol. Après forme de Mi. Après forme de Ré. Si vous prenez un La forme de Mi, comme ça, si vous descendez, tombez forme de Sol, et en dessous forme de La. Au-dessus, le La forme de Mi, La forme de Ré, et La forme de Do. Après il y a toutes les gammes. Alors ça s'appelle la tonique. Do, Mi, Sol. Un accord de Do, c'est fait des notes Do, Mi, Sol. La tonique, la tierce et la quinte. C'est valable. Et alors toutes les gammes sont basées sur la forme de Do. Ça veut dire que la gamme de Ré, donc c'est deux cases, une case. Donc c'est là pour ça qu'il faut mettre des bémols ou des dièses pour avoir le même nombre de cases entre les notes. Hein. Là vous retrouvez les accords de principaux, donc avec la tierce, la tonique et la quinte que je viens de parler. Il n'y a qu'une case entre mi fa et si do ici. Alors pour les accords de do par exemple. Mais pour les autres accords, c'est pareil, on prend la tonique, la tierce et la quinte pour un Do majeur. Do 7 majeur, Do 7, etc. Donc, tous les accords sont basés sur la gamme correspondante. Ça, c'est les renversements. Si vous prenez Mi, Do, Mi, Sol, c'est. Après Mi, Sol, Do, c'est premier renversement. Et Sol, Do, Mi, deuxième renversement. Pareil pour les mineurs. Ça, c'est vous pouvez découper pour avoir la gamme de Do. Donc, en anglais, ça donne
Je les ai rassemblés. Hein. Alors là, j'ai pas mis encore. Donc ça, c'est les derniers. Chanson 40. Alors, je vous ai mis les difficultés devant. Et comme ça, vous choisissez un petit peu ce que vous pouvez faire, quoi. En sachant que 4, par exemple, c'est très difficile. Toujours avec les difficultés devant. 34, 35. Donc, j'ai pas tout fait, hein. J'en ai fait un peu. 28, 29, 26, 27, Polnareff, 21, 22, et là, 19, 20, et là, je n'ai pas continué. Hein. C'est pareil, après, dans les débuts des chansons, il y a les enregistrements qui sont pas terribles ou les explications. Donc, à voir. 14, 13, 12, 11, 8, 9. Samson, Barbara Cass.